Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui en direct sur TF1 pour un deuxième numéro du Daily Mag. Mais ce n'est pas un Daily Mag comme les autres, c'est un Daily Mag spécial rentrée. Et oui, c'est la rentrée, on débriefera sur les news, les scoops et les people de la rentrée 2017. Ce soir, mon équipe de choc est au rendez-vous. Veuillez accueillir la belle et talentueuse Anaïs Camizoli. Et à côté, le jeune journaliste Thibaut. Et en troisième, la petite Shona. Il sera à mes côtés pour débriefer pendant notre mag. Allez, avant comme chaque sommaire, je vais me prendre de vos nouvelles. Allez, comment vas-tu Thibaut ? Je vais super bien aujourd'hui, les vacances m'ont redonné de l'énergie. On va voir ça. Et toi Anaïs ? Je vais bien, merci. Allez, et toi Shona, comment vas-tu après les vacances ? Super, la plage me manque. Allez, avant de commencer, je voulais vous remercier, vous, public, car le numéro 1 du Daily Mag a fait un carton. Et c'est grâce à vous, aujourd'hui, que nous sommes là pour un numéro 2 spécial rentrée. Et pour ce Daily Mag spécial, ce n'est pas un invité, mais pas deux invités, mais trois invités qui seront sur notre plateau. On les découvrira en direct dans quelques instants. Juste après quoi ? Le sommaire. Allez, c'est parti, sommaire ! Aujourd'hui, dans le Daily Mag... Première partie d'émission, le bluff téléréal, Alex vous fera travailler les neurones. En deuxième partie, l'interview vérité, Shona posera des questions à nos trois invités. Troisième partie, le mat, zap, Anaïs vous demandera vos avis sur les émissions de l'année 2017-2018. Quatrième partie, l'actu people. Notre journaliste nous parlera de l'actualité simlandaise pour la rentrée 2017-2018. Et nos invités aujourd'hui sont le producteur Dylan, le PDG Alex et la belle Chenny. Puis en fin d'émission, la chanteuse Emma nous interprétera son dernier titre. Des scoops et des people, bienvenue dans le Daily Mag. Voici notre sommaire spécial rentrée. Alors, merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation pour débriefer l'année qui débute. De rien, c'est avec plaisir que je suis ici ce soir. Moi, ça me fait grave plaisir aussi. Pareil, merci pour votre invitation. Et comme vous avez vu, nos invités sont Dylan, Alex, le PDG de TS1 et Shelby. Allez, si vous êtes prêts, si ma team est prête, nous allons commencer tout de suite avec le bluff téléréal. Jingle. Allez, c'est très simple, je vais vous donner des infos concernant la rentrée 2017-2018. Le but est de me dire si je bluffe ou pas. Si vous avez compris, passons à la première info. Dudu Proxim aurait décidé de finir la saison de Koh-Lanta pour cette saison 2017-2018. Bluff ou pas bluff ? Bluff. Je pense que Dudu me l'aurait dit. Je dis bluff aussi. Bluff, je pense, mais j'aurais bien aimé. Moi, franchement, aucune idée. Hein. Eh bien, c'est du bluff. Dudu n'a jamais reparlé de finir la saison de Koh-Lanta. Allez, Dylan, ici présent, aurait décidé de faire une saison 2 de Secret Story Sim. Bluff ou pas bluff ? Pas bluff. Bien sûr, comme le dit Shelby, pas de bluff. Tout le monde en parle sur Twitter. Des infos sortantes. Ils ont raison, les filles. C'est pas du bluff. Eh bien, Dylan, réponds-nous. Bluff ou pas bluff ? Ils ont raison, pas bluff. J'ai ouvert le casting et donné des infos comme tout le monde a pu voir. Allez, passons à la troisième info. NTS a décidé de revenir pour cette saison 2017-2018. Bluff ou pas bluff ? Sérieux ? Cool ! N'importe quoi, Shona. C'est du bluff. C'est clair, c'est du bluff. Sinon, tout le monde serait au courant. Oui, c'est du bluff. Sinon, je pense que Simland aurait fait un communiqué. Et vous avez raison, c'est pas du bluff. Mélissa va bien ouvrir son blog en septembre. Allez, merci à vous d'avoir participé au bluff téléréal. Allez, je vous propose donc de passer à la seconde partie. La seconde partie que vous connaissez tous, il s'agit de la chronique de Shona. L'interview vérité spéciale rentrée. Allez, c'est à toi Shona. Jingle. Allez, c'est l'heure de ma chronique spéciale. Et oui, elle est spéciale car je vais pas interviewer une personne, mais trois, pour cette spéciale rentrée. Je vais donc vous poser deux questions, chacun votre tour. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Let's go ! Je vais donc commencer par toi, Alex, PDG de TS1. Allez, j'ai une question pour toi. Quelles sont vos envies en tant que PDG pour TS1, pour l'année 2017-2018 ?
Eh bien, pour cette nouvelle saison, vous savez, je ne prévois pas trop de projets. Dans ce monde, on s'adapte aux producteurs et à leur choix de programme. Donc cette année, on va y aller au feeling, nous verrons en fonction des propositions des productions. Ok, bon, on a hâte de voir ces nouveaux programmes qui seront proposés sur vos lives. Allez, deux et dernière question. J'ai entendu que vous refusiez aucun programme pour cette saison de TS1. En effet, ce que j'ai dit lors de mon dernier communiqué, je souhaite revenir au TS1 d'avant. Je ne vais pas dire que c'était un TS1 mythique, mais je veux revenir à des lives de partage et de bonne humeur. Là où les audiences ont pris trop le dessus ces derniers temps et ce qui a fait perdre en quelque sorte l'âme de la chaîne. D'accord, bon, on a hâte de voir ce live 2017-2018. Merci à toi Alex d'avoir répondu à ces deux questions en toute sincérité. De rien, avec plaisir. Allez, passons à notre deuxième invité, Dylan. Allez, enchaîne avec la première question. Quels sont tes projets en tant que producteur pour cette année 2017-2018? Alors mes projets pour la saison 2017-2018 sont tout d'abord la suite de la saison 1 d'Utopia Sims et la saison 2 de Secret Story Sims. Pour le moment, c'est déjà bien, on verra par la suite. J'ai vraiment hâte de voir ces projets. Allez, deuxième question pour toi et dernière. As-tu des envies de collaboration pour cette saison? Bah, je suis en collaboration avec toi Alex pour les interviews d'Utopia, mais c'est avec TS1 qui me fait toujours confiance pour la diffusion de mes programmes. D'accord, merci à toi Dylan d'avoir répondu à ces deux petites questions en toute sincérité. Allez, à toi ma petite Chabu. Première question, la même question que les deux autres invités. Quels sont tes projets pour cette saison? J'ai plusieurs projets très différents pour cette rentrée. Déjà, je vais beaucoup utiliser mon nouveau blog que j'ai récemment sorti. Vous pourrez retrouver tous mes conseils mode et mon actualité. Ensuite, je continue de travailler sur l'émission Le Top Flop People qui devrait prochainement revenir. Et après, j'ai plusieurs projets très inattendus et dont vous ne vous attendiez certainement pas à me voir là-bas. Mais je ne peux pas spécialement vous en dire plus pour le moment, étant donné que je suis sous contrat de confidentialité. J'ai vraiment hâte de voir tous vos projets. Deuxième question qui concerne pas la rentrée, mais je suis obligée de te la poser. Alors, d'après mes ressources, tu serais sortie avec Gabano, des ex. Est-ce vrai? Je suis très surprise que tu aies cette info. Mais pour ne pas vous mentir, oui, j'ai bel et bien eu une relation avec Gabano avant sa participation à l'émission d'Energy Sims. Maintenant, tout ça, c'est fini et je lui souhaite que du bonheur. J'ai donc l'exclu pour cette info et je ne dévoilerai pas mes sources. Merci à vous trois d'avoir répondu à mes questions. C'est donc tout pour ma chronique spéciale rentrée. Je vous dis à bientôt pour un prochain numéro de ma chronique. Merci Shona pour ta chronique Interview Vérité spéciale rentrée. On te retrouve peut-être bientôt pour un nouveau numéro. Allez, comme tu sais Anaïs, c'est maintenant l'heure de ta chronique, le Matzap. Toujours spéciale rentrée. Allez, jingle! Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma chronique, le Matzap. Et pour ce numéro spécial rentrée, je vais donc vous donner des programmes qui devraient sortir pendant cette saison 2017-2018. Et vous devrez me dire si vous allez mater ou zapper ces futurs programmes. Allez, c'est parti. Allez, premier programme, Secret Story Sims de Shadow, ici présent. Il a mis en route une saison 2 sans avoir fini la saison 1. Vous allez mater ou zapper? Je vais mater, mais en espérant que cette saison ne sera pas déprogrammée. Je mate, moi. J'adore ce programme. Moi, je mate. J'adore. Et vous, nos invités? Bien sûr que je mate. Je suis un très grand fan des programmes de Shadow et surtout de ses Secret Stories. Je ne vais pas zapper, mais je ne vais pas forcément suivre à fond non plus, car je ne suis pas une grande fan de cette émission. Ça me touche vraiment vos avis, que ce soit négatif ou positif. Je ne sais pas, car la production avait déprogrammé la première saison. Ça m'avait déçu. Donc, je vais peut-être mater. Allez, deuxième émission. J'ai choisi les Manella Oasis Spring sur Simsland. Alors, vous allez mater ou zapper ce programme? Moi, je mate, bien évidemment. Qualité au top. Moi, je verrai. Je mate, moi. J'adore ce programme. Et vous, Dylan, Shelby, Alex? Bien évidemment, cela fait tellement longtemps que l'on attend de découvrir leur aventure. Et puis, connaissant Bella, je pense que l'on risque de beaucoup s'amuser en regardant les épisodes. Alors pour les Manella Oasis Spring, produits par mon ami Simland, je vais regarder. J'attends et nous attendons tous ce programme depuis longtemps et en voyant les extraits qu'il poste, ça met l'eau à la bouche. Je mate aussi un programme d'une très grande qualité, du Simland tout craché quoi. Moi je vais mater, c'est une bonne émission, j'adore. Allez hop, troisième émission, Top 8 de Z Productions. Vous allez mater ou zapper?
et je donne la parole à nos trois invités. Top 8, pareil, je vais mater. J'ai vraiment hâte de voir ce programme sortir et de voir ce que ma pépite José nous a produit. Je mate. Enfin, j'ai surtout hâte que ça sorte. Allez José! Suivant le casting qu'il proposera, pourquoi pas regarder? Après, comme pour Secret Story, je ne suis pas une grande fan de ce concept. Mais pourquoi pas regarder les premiers épisodes pour voir ce que ça donne? Et vous, la Daily Team? Je suis du même avis que Shelby, je suis pas trop fan du programme. Moi je sais pas trop, je verrai. Oui, moi bien sûr, je mate. Eh ben moi je zappe. J'aime pas vraiment le concept. Allez, dernière émission pour cette chronique spéciale. J'ai choisi la revanche des ex de Chris de Energy Sims. Vous zappez ou vous matez? Tout le monde mate ce programme, obligé. C'est clair, Thibaut. Je vais mater. Malgré les différends qu'il y a pu y avoir, je regarderai quand même le travail qu'a fourni Chris, car il fait un excellent travail. Je mate directement. Les premiers extraits qu'a dévoilé Energy Sims m'ont tout de suite donné envie de suivre cette aventure. Et puis je suis amie avec la plupart des candidats, donc bien évidemment que je suis impatiente de les voir à l'écran. Pour la revanche des ex, c'est également un programme que je vais suivre. J'ai hâte de voir ce que Chris nous a fait et de découvrir les fortes personnalités annoncées au casting. Je vais mater, car le PDG Energy Sims nous sort du lourd. Allez les amours, merci d'avoir participé à cette chronique spéciale rentrée. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement. Bye bye. Merci pour cette chronique, le Matzap, saison 2017-2018, Anaïs. On te retrouve bientôt pour un nouveau numéro. Allez, place maintenant à la chronique de Thibaut. Jingle. Salut à tous, alors pour ma chronique, elle sera assez spéciale pour la rentrée 2017-2018. Comme info, j'ai décidé d'aborder des programmes futurs. Commençons par Hollywood Girl Sims de Simland. Après 11 épisodes, un épisode final est en approche. Comment imaginez-vous la fin de la première saison? Pensez-vous qu'il y aura une deuxième saison? Moi j'imagine une fin tragique comme celle de la réalité. Et je verrai bien une saison 2. J'imagine que ce final sera explosif. Et j'espère avoir pas mal de rebondissements. Vu comment s'est déroulée la première saison, j'imagine que l'on ne sera pas déçu par ce final. Je ne sais pas s'ils ont prévu de tourner une saison 2, mais du moins j'espère, car j'adore cette série. Je pense que le final de la saison sera juste exceptionnel. On ne s'attend pas du tout à ce que l'on pense, Adam va vraiment nous bluffer. Et c'est probable qu'il y ait une saison 2 vu les regards d'audience et l'histoire, c'est vraiment possible. Ben moi j'espère devoir une fin heureuse avec tout ce qu'Elena a subi. Après j'en doute. Une saison 2? S'il annonce, je serai trop content. Continuons avec la série de QTV Productions, Little Secret Between Us. Après la déprogrammation de The Box Sims, QTV se lance dans une série Sims et a déjà terminé le script de l'épisode 1. Qu'en pensez-vous? Avez-vous hâte de voir la série? Moi j'aime bien The Box Sims, mais bon, j'ai quand même hâte de voir le rendu de cette série. Déçu de la fin de The Box Sims. Et pour la série, je sais pas trop, on verra au premier épisode. Je ne saurais pas dire si je suis impatiente ou pas, car je n'ai encore jamais vu leur émission. Pareil, The Box Sims c'était une bonne émission et je ne doute pas que la série de QTV Productions sera encore meilleure. J'ai hâte moi. Nous terminons avec la télé-réalité Sims tout attendu, les vacances des anges Sims de Energy Sims, une émission qui arrivera peut-être en 2018 selon un article de MyTSO News et d'un récapitulatif des anges potentiels de la production de Dudu qui pourraient sûrement participer au programme. Mais étant donné qu'il y a les anges Sims dans Dem's Prod, ils pourraient aussi envisager d'intégrer certains anges emblématiques aux vacances des anges. Alors, qu'en pensez-vous? Qui voudriez-vous voir au casting des vacances des anges Sims? Alors moi, franchement, je trouve ça pas mal si Energy Sims prendrait des candidats des anges de Dudu et des anges d'Andems pour ce casting des vacances des anges. Et pourquoi pas mettre des guests aussi. Alors pour les vacances des anges, j'aimerais bien voir ce programme sur nos écrans. Connaissant Energy Sims, il a toujours plus d'un tour dans son sac et il sera vraiment nous épater s'il produit ce programme. Et j'ai vraiment hâte de voir si ça aboutit à quelque chose. Ça sera le feu niveau casting dans les anges de la production de Dudu. Je verrai bien Ivana, la diva de la saison 1, puis Daniela, la best, les beaux gosses Nathan et Adrien, Liv et Constance pour pimenter un peu. Dans les anges de la production de Andems, je verrai d'abord Kelly, la queen, et Jasim, le best. C'est maintenant la fin de cette chronique, merci à tous d'avoir participé à ma chronique. Merci Thibaut pour cette chronique, on te retrouvera avec ta chronique aussi dans le prochain numéro. L'émission touche bientôt à sa fin, mais nous allons recevoir la chanteuse Emma Brinkston qui va nous interpréter son nouveau titre, Bad Girl. Allez, le plateau est à toi, ma belle, à toi de jouer. Welcome to my world, in case you missed it.
I'm a big deal, it's kinda twisted. But let's just keep it real, I'm the hottest misfit. C'était super, le Délimax est maintenant terminé. Un grand merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Mais aussi encore un grand merci à la Déli Team et à la régie pour ce direct. Je vous dis à bientôt la famille, bye bye.